Hello la gang, regardez ma belle robe! Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau petit vlog. Et je suis toute glam up parce que c'est mon Noël avec mes girlies. Donc, journée, soirée avec mes besties aujourd'hui. Et là, il est 2h20. Je vais partir vers... Mais c'était censé être vers 3h, là, je pense plus 3h30, là, on verra. Mais ouais, donc soirée, journée avec mes girls et soirée avec mes girls et notre ami Sébastien. Donc un de nos amis que vous avez vu probablement dans le vlog du batch. C'est la dernière fois. Ah non, on s'est vu une dernière... Une fois avant, après ça, cet été. Mais j'avais pas fait de vlog, je pense que j'avais juste mis ça sur Insta. Mais ouais, donc ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Puis là, il est là pour le temps des fêtes. Puis ouais, donc là, ça donne qu'on peut se voir ce soir. Donc ça va être le fun. Et là, je sais que je suis un petit peu plus maquillée qu'à l'habitude. Je voulais me mettre belle pour cette festivité. Et je me suis toute glam up. Et là, je suis un peu déçue. Je cherche mon manteau de fourrure. Est-ce qu'on est extra ou qu'on n'est pas? Mais là, je le trouve pas. Donc, faut que je me trouve un autre manteau, là. Mais on dirait qu'un manteau de fourrure, ça aurait été genre la cerise sur le sundae. Mais je capote. J'ai eu cette robe-là pour Noël. Waouh, Vogue. J'adore, genre, les manches. Comme les voyez-vous? Non, 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 non. Je me sens comme un flamant rose festif. Je me suis encore liché les cheveux comme ça. Alors là, j'avais deux options. Soit je mettais un bandeau avec genre comme des diamants que j'avais eu pour Noël. Mais je voulais vraiment mettre ces deux boucles d'oreilles-là. Je sais pas si vous pouvez voir, là. Mais des petits diamants. Puis là, ici, comme des petits genre ovales. Puis là, j'avais peur que c'était beaucoup. Mais en même temps, je fais comme... Tu sais, c'est jamais assez pour une journée avec mes girls. Mais là... j'étais comme une éternelle indécise. J'avais comme aimé ça, moi, les cheveux ramassés dans le temps de Noël. J'étais comme, garde, ça va être de même. Mais là, j'étais comme, le français était comme, ben, on va faire roche-papier-ciseaux. Là, j'étais comme, qu'est-ce que tu veux dire? J'étais comme, ben, on va faire roche-papier-ciseaux, la personne qui gagne. Francis, c'était les cheveux attachés. Moi, c'était un bandeau. Donc, on a fait roche-papier-ciseaux. Et c'est Francis qui a gagné. Donc, je me suis fait une petite couette lichée aujourd'hui. J'adore. Mon rouge à lèvres aussi, j'aime beaucoup ma petite combinaison, je vais vous montrer. J'ai mis, j'aurais mis le Maybelline, je trouve que je fais comme plus des belles lèvres brillantes. Mais, j'en ai plus. Donc j'ai pris mon Clarins, mais dans le fond j'ai mis mon crayon de Charlotte Tilbury de Pillow Talk. Ça, j'en ai mis un peu, mais comme, pas partout, j'ai juste vraiment contouré le bas, contouré le haut. Puis comme fait comme ça, pour que ça met comme ça étend un peu partout. Puis j'ai mis, j'adore. Avant, ma préférée c'était la framboise, je crois. Elle était juste transparente. Mais là, j'aime beaucoup dernièrement la 03 Red Berry. Je trouve que ça fait comme une belle petite peinte sur les lèvres. Bonjour, bonjour. Et ouais, donc j'aime bien ça, petit combo du jour. Sinon, mes yeux, j'ai mis, vous voyez sûrement, là, j'ai mis un petit peu plus comme foncé là, là, avec comme un peu de rosé, là, on voit mal. Mais j'ai essayé d'aller chercher des petits teints rosés dans ma robe. Mais c'est ça, et là, jour de festivité, donc je sors ma Madison, ma grande chum Madison ce soir, première fois que je vais l'utiliser. Genre, ça va être trop beau avec ma robe. On dirait c'est comme la parfaite robe pour ça. La parfaite, genre comme le parfait, comment dire, outfit. Mais ouais, donc je vais sortir ma belle Madison. Et pour, comme portefeuille, je vais juste prendre ma petite pochette que j'avais eue, le trio de Elle. Donc j'ai mis un petit peu de change ici. Je vais apporter mon certificat cadeau, je suis trop contente. Et j'avais demandé à Francis, j'étais comme, j'attends pour l'utiliser. Il était comme, si tu l'utilises à soir ou que tu l'utilises pas, ça va venir au même. Là. Ça va dépenser de l'argent à un moment donné. Là, genre, que je paye 1000 sous à soir ou qu'on paye l'autre fois. Tu sais, ça va venir au même. Mais donc, c'est ça. Un petit certificat.
Puis je vais mettre mon permis de conduire là-dedans. Puis c'est comme pas mal juste ça qui fit. Dans le milieu, les quatre fit, là, l'argent, c'est comme le fun pareil ça. C'est comme cute. Donc mon beau petit portefeuille en beige. En plus, pas de carte là. Je vais mettre ça là-dedans. Sinon, dans ma petite sacoche, j'ai mis mon... j'adore ça. Parce que tantôt, je vais mettre mes lunettes, là, sinon je vais pas voir grand-chose. J'ai eu... mon ami faisait un party l'autre jour de Norwex. J'utilise pas vraiment les produits, là. Je sais que c'est des bons produits, mais... là, je prends pas le temps de les utiliser. Malaisant, je m'excuse. Mais est-ce que ça paraît que j'aime le rose? Super. Donc, c'est comme une petite lingette, comme ça, tu peux attacher dans ta sacoche. Puis, je l'adore, c'est pour laver mes lunettes. Ça lave vraiment bien. Donc, je vais mettre ça là-dedans parce que là, il y a comme une petite neige. Et ouais, donc je vais mettre ça. Et la bonne idée, regardez ça, la gang. Je vais attacher à l'intérieur dans les lambeaux. Il y a toujours une petite attache comme ça. Je vais attacher mon petit portefeuille. Oh my god, la paix, la paix, la paix. J'adore. On met ça là-dedans. On va zipper. Genre, c'est-tu pas assez le fun, genre, mettre ces choses dans une nouvelle sacoche? On dirait, moi, ça me crée du bonheur. Là, tu places toutes les choses à la bonne place. Puis là, tu la mets, genre, comme en ordre. Je capote. Donc là, elle est prête. She's ready for tonight. Puis, sinon, ma robe, elle vient du H&M. Et j'ai aussi des nouvelles bottes que je me suis achetées pour le nouvel an, dans le fond. Mais là, aujourd'hui, je vais les mettre et c'est des bottes de Spice Girl. Quand je sors avec mon bébé, comme exemple, on va souper le confort. Le confort, le confort, le confort. Quand je chante tout seul, le confort, le confort. Je vais mettre, tu sais, des bottes d'hiver, là. Comme, allô, je mets rien de fancy, là. Mais quand je sors avec mes girls, j'aime ça comme avoir comme plus comme des tissus ou comme, tu sais, plus comme, je sais pas. Mais là, j'ai des belles bottes de Spice Girl, la gang. Je vais vraiment... ben, je vais être une Spice Girl. Habillée comme ça, avec ma petite coilichée, avec mes bottes. Ready to party. Ready to dance. I'm ready to be a dancing queen. Ooh, ooh, ooh. OK? OK, on va terminer ce bout malaisant. J'espère que vous allez bien. Hein, je vous ai-tu dit ça? Je vous ai-tu mangé ça au début de l'heure? Moi, je suis excitée. J'ai les cadeaux de mes babes ici. Vous autres, vous savez c'est quoi? Je peux déjà entendre les cris Anna. Guérette crie moi, mais elle est autant excitée quand ils vont voir leur verre. Là, les girls, vous les aurez eu. Soit là, je suis pas mal sûre que vous allez comprendre votre réaction. Mais on dirait, genre, je peux juste nous imaginer avec nos petits verres, nos petits drinks. Bonjour, coucou. Comme là, aujourd'hui, avec ma robe, avec ma sacoche, avec le petit verre noir à Anna, genre. Mais ça prend une cute photo. Je dis ça, j'ai rien. Et dans un Instagram près de chez vous. Vous aurez peut-être vu déjà ça. En cause, on s'en va chez elle justement pour faire nos petites festivités. Et à soir, mon bébé a des gars. Des petits gars maison. Et il y a ces boys qui viennent à la maison. Ils sont, je sais pas, là, une dizaine. Et donc, je les ai préparés des dépiants. Puis quand je vais arriver, parce que j'arriverai pas tard, là, je vais arriver genre max 9h30. Là. À 9h30, je vais leur faire des ailes, je vais leur faire cuire d'autres affaires. Ils vont aussi se faire livrer de la pizza. Mais ça fait comme genre 2 jours qu'ils préparent la cave, là, au bout de pitcher. Tellement rare, genre, qu'il y a des amis qui viennent à la maison. Mais c'est juste parce qu'il n'y a pas vraiment le temps, là, avec le travail, puis tout ça. Mais là, ils se permettent du temps, ils s'en créent. Mais c'est ça, bien contente. Et là, depuis hier, on a installé une nouvelle télé. Il a mis une table de poker. Il lave des chaises pour mettre en dessous de la table de poker. Il a ajouté un fridge de Coca-Cola. Il a ajouté... qu'est-ce qu'il a ajouté? Un jukebox. Il n'y a rien qu'il n'a pas mis dans cette cave-là. En tout cas, ça va être mignon, mignon. Mais ouais, donc en parlant de mignon, mignon, la gang, je sais ça fait 9 minutes que je vous parle, puis je vais probablement vous en parler pour un 9 autres. C'est juste... ça fait un petit bout, tu sais, j'ai pas vlogué, je m'ennuyais. Tu sais, ça fait peut-être 3 jours, là. Même pas, 2 jours. Hein. Le 26, on est le 28. Non, c'est ça, 2 jours. Mais bon. Et je m'étais habituée à vlogger tous les jours. Mais là, je capote. Parce que j'ai eu un cadeau. Premièrement, je vais vous montrer. Ça venait dans une enveloppe et tout, là. Mais là, ça venait dans un petit papier de soie rose.
Genre, je capote. Et j'étais tellement heureuse quand j'ai eu un courriel là, de la belle Kayla. Genre, si vous la suivez pas, je sais pas vraiment ce que vous faites. Moi, Kayla, là, c'est I'm Kayla Roy, là, pour vous situer peut-être. Kayla, ça vous dit rien, juste comme ça, là. Mais Kayla, on a comme sensiblement la même âge. Elle vient de Montréal, elle vit genre sa best coffee life dans les rues de Montréal. Genre, comme tu regardes son contenu, ça te donne le goût. Comme ça te donne le goût de déménager à Montréal, de marcher pendant des heures, boire un petit café sous la neige avec son bébé, là, ses fiancés cet été. Genre, ça fait tellement longtemps que je la suis, mais on dirait que ça fait comme... Un an ou deux là, que j'y parle un petit peu plus là, sur Insta. Un an ou deux. En tout cas, ça fait longtemps là, que je la suis. Mais moi, elle me crée, je vous ai déjà dit ça souvent, là, mais moi qui est là, elle me réconforte. Comme quand j'ai besoin d'un me time, ou comme quand il y a une journée comme je suis plus comme tu sais, sur les nerfs, ou comme je sais pas, là, n'importe quelle situation, des fois comme. Qui est moins le fun ou je sais pas là. Quand j'ai besoin juste comme d'un moment à moi, genre dans ma bulle, j'écoute Kayla. Comme elle me relaxe. Genre, moi, sa voix m'apaise. J'ai déjà dit ça, puis comme je vous ai dit ça déjà à plusieurs reprises, là, je pense, elle me calme. Genre, même des fois, là, avant de dormir, j'écoute un vlog, elle me calme. Je sais pas, c'est comme réconfortant, c'est comme doux. Puis comme, ouais, elle nous apporte dans son quotidien et j'adore. Ses petites photos, c'est tout. C'est vraiment comme une grande source d'inspiration pour moi. Donc, je t'aime bien gros, ma belle Kayla. Mais pour vrai, je capote. L'an passé, elle avait sorti son agenda, donc son premier genre... comme son premier, je veux pas dire premier gros projet, c'est pas ça que je veux dire, mais premier genre comme, c'est un agenda là, tu sais, quand même. Elle vendait sur sa boutique, puis donc c'est ça, avant elle avait une boutique, elle avait des chandelles et tout, mais là elle se concentre vraiment là-dessus. Puis là c'est sa, genre sa deuxième version, sa deuxième année qu'elle fait, donc c'est un agenda pour l'année 2023 dans le fond, et... J'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire à quel point la papeterie, moi, je capote. Puis, c'est ça. Elle fait ça en collaboration avec, je pense que c'est Valoris, Delphine. Attends, le cahier, c'est avec Delphine. Ça, c'est avec Valoris. Je sais pas. Ça doit pas être la même personne, mais en tout cas, avec des artistes... de son coin, là, j'imagine, mais je capote. Elle m'a envoyé un courriel savoir si je voulais l'avoir. Et moi, je capote sur les agendas. Vous savez, grande passion, moi, pour les agendas à plus plein nœud. Mais là, vu que la belle Kayla m'a envoyé son agenda, j'ai pas le choix de faire le saut et d'écrire dedans. Mais c'est parce que je l'ai feuilleté et je capote. Il lui en reste encore, donc je vous invite à aller voir sur Insta puis tout. Mais je vous mettrai le lien, là, pour... où est-ce que vous pouvez vous le procurer, là, mais pour vrai, je capote. Tout est beau, puis c'est comme, c'est elle au bout. Puis genre, c'est elle, mais en même temps, c'est moi. On dirait, je trouve beaucoup qu'on se ressent sur certains points. En tout cas. Donc, ça venait avec une petite carte comme ça. Merci. Merci. Joyeuse fête, ma belle Mylène. Un vrai plaisir de te voir briller à travers l'écran. Hihi. Avec amour, Kayla. Genre, veux-tu que je pleure? Hein? Comme genre, Kayla, si je suis qui? Moi, je suis pas d'allure. Premièrement, ça vient avec une belle to-do list, avec des petits cafés, des points, dates à ne pas oublier. Puis genre, c'est vraiment comme dans mes couleurs de bureau. Donc, ça vient comme ça, to-do list, un petit café comme ça. Non, c'est tellement beau. Genre, je capote. Et c'est ça, Delphine B et Amikayla Roy. Donc, un beau calepin comme ça. Et, genre, la pièce de résistance, j'aime tellement la couleur. L'année passée, si je me trompe pas, c'était comme un petit vert menthe. Ça se peut que je me trompe, mais il me semble que... Je suis pas sûre. En tout cas, c'est un agenda non daté. Ça, vous pouvez la commencer, dans le fond, quand vous voulez. Mais je capote. So, là, je suis comme en réflexion. Parce que... Moi, j'ai tout le temps, en cause de vue comme mon métier, puis
quand j'étais à l'uni puis tout ça, j'ai tout le temps eu un agenda genre septembre à juin. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent leur agenda genre au mois de janvier, comme la nouvelle année. Mais là, je suis en questionnement, est-ce que je commence cet agenda-là au mois de janvier pour faire comme un an, ou j'attends que j'ai fini celle-là, puis comme je commence celle-là au mois de septembre pour faire genre septembre. Mais là, en même temps, vu que j'ai elle, ça me... je vais pas pouvoir attendre, mais en même temps, vous comprenez-vous? Je suis un petit peu dans un impasse. Mais c'est parce qu'elle est trop belle, je vais écrire dedans. Puis elle était. Puis ce que j'aime, tu sais, c'est en français. C'est. Il y a plein de belles petites choses. Il y a des petites quotes. Comme ça paraît, c'est elle qui l'a fait. En tout cas, mais c'est vraiment minimaliste. Puis comme c'est tout blanc-noir. Donc moi, je m'imagine avec mes petits crayons de couleur, là. Non. J'ai déjà mes plans, genre. Je suis un petit peu folle, là. Mais moi, quand j'ai un nouveau cahier, genre. Il va être écrit avec une telle sorte de marker. Comme je peux pas écrire, comme si je commence comme un setup là, de marker, je peux pas le changer. Je sais pas si je suis la seule. Comme exemple, si j'écris exemple les titres en noir, puis là après j'utilise une autre couleur, mais tu sais, faut tout le temps que je fais ça. Sauf là, moi dans ma tête, que j'ai tout de suite. Habituellement, j'en ai un dans chaque tiroir parce que c'est mes marqueurs préférés, mais là, faire par esprit. Il est là-bas, j'ai écrit mes cartes de Noël tantôt. Les Sharpie pens, genre, les petits Sharpies avec la petite pointe fine, là. Donc, je m'imagine déjà écrire ça là-dedans, mais ajouter, genre, des petites couleurs, juste pour garder ça simple comme l'agenda. OK. Tell me if I'm crazy, mais comme je suis quand même pas, OK? Donc, tu ouvres ça, c'est écrit « Hello, gorgeous ». C'est même pas écrit le mot, c'est écrit « Hello, gorgeous ». So, dans le fond, c'est toi qui le commence, là, tu sais. C'est toi qui écris le mot que tu veux, les dates. Là, il y a une petite section notes. Il y a des petites sections, mes objectifs de la semaine, à ne pas oublier, notes, les repas de la semaine, ça j'adore. Collation, dessert, ma liste d'épicerie de la semaine. Ça, je vais juste vous montrer là, rapidement. Là. Mais genre comme ça, très simple, très beau. Je capote. Cette semaine, j'aime beaucoup la façon qu'elle est aussi. Là, c'est comme sur des colonnes comme ça. Il y a même dimanche, samedi. Moi, c'est ça qui me manque dans mon agenda tout de suite. Je me crée une petite place, là, mais on dirait que ça me tente. Et j'ai mes tout doux, genre, à pas oublier de faire la semaine. Et protect your energy. Ça, il y a plein de petites quotes comme ça, j'adore. Je les ai pas toutes lues, là, genre, les petites quotes. Là, c'est à chaque genre début de mois. You are enough. Comme, c'est trop beau. Toutes les Never Stop Dreaming. Oh. C'est pas mal pareil pour tous les mois. Mais pour vrai, je capote. Donc, merci ma belle Kayla d'avoir pensé à moi. Je vais l'utiliser avec grand plaisir et je vais lui faire attention. Je vous ai-tu même montré la page couverture? Je pense pas. Regardez comment c'est beau. C'est magnifique. Genre, là, c'est juste écrit ici, très simple, agenda, avec des belles fleurs. À la caméra, c'est plus genre bleu, ciel, pétant, là. Mais c'est comme un beau pastel, genre bleu, mauve, là. Oh ouais. Je te jure. Hé, hey, Jean, je t'ai en train de dire que t'avais une soirée de boys ce soir? Boys night. T'as-tu hâte? Oui. J'ai dit comment t'étais mignon, t'étais tout en train de décorer. Moi, je décore Noël. Là, il y a un de Noël, l'as-tu allumé? Ouais. Il a mis plein de lights, plein de LED, je pourrais aller lui montrer. Ça, déjà tout non, je sais, mais t'as-tu mis plus d'affaires? Ben, la seule chose que j'ai mis de plus, c'est des sacs de chips et de la liqueur. Non, t'as puis mis. Un coulis de coke et un jus bar. Ben, c'est ça, t'as rajouté des choses. T'as mis une nouvelle pancarte aussi, on air. Ben, c'est parce que ça tient brûlé. Eh oui, et je sais pas si vous en rappelez, mais dans un des vlogs, mais c'était 2 ans passés dans le fond, j'avais acheté un beau néon. Mais là, il vient de manquer. C'est comme triste. Mais bon. Ouais. Mais tu sais, t'as allumé tous les jours. Ça fait 2 ans. Ça y a quand même bien toffé, là. Mais j'irai montrer la cave après. Ouais, c'est vrai, j'ai mis une table de poker plus parce que je l'avais déjà en bas. C'est quand dans l'autre sens. Oui, une table de poker. Il a tout lavé ça. En tout cas, trop mignon. Mais c'est ça. Donc, un beau genre bleu, mauve, pastel-ish, là. Mais je capote. C'est le même modèle en arrière. Donc, gros coup de cœur, gros merci Kayla. Je t'envoie des bisous. Et ouais, donc je vais vous mettre le lien si jamais ça vous dit, si jamais vous n'avez pas d'agenda pour le mois de janvier ou que
vous voulez vous l'acheter tout de suite pour commencer plus tard, là, tu sais, ça reste vraiment à vous, ou peut-être avoir genre un agenda professionnel, un agenda genre personnel, tu sais, les deux, là. Mais ouais, pour vrai, je capote. Merci, merci. Là, ça fait 20 minutes que je parle, ça n'a aucun sens, on va stopper ça tout de suite, la gang. Moi, souvent, j'écoute des vlogs qui sont moins que 20 minutes, et là, c'est comme juste le début. Donc, ce n'est qu'un début, ce n'est pas fini, ok? Donc, sur ce, j'arrête pour vrai, je vous laisse, je vais vous montrer des petites parcelles de notre soirée, probablement. Mais, tout en enjoyant mon temps avec mes petites amies d'amour. J'ai tellement hâte, genre, de leur donner leur cadeau, là. J'ai hâte. Et, ouais. Donc, on se parle plus tard. Et je sais pas si vous savez. Ah oui, je vous ai dit parce que j'avais mon certificat, mais j'ai vraiment hâte de manger au fresco. Ça va être tellement noir. Et là, je dis la dernière fois, là. Ça me fait mal au cœur, mais je pense que je vais être obligée de faire une croix sur les pâtes aux fruits de mer que je prends tout le temps au fresco. C'est les meilleurs de l'univers. Mais j'ai vraiment le goût de manger le filet mignon. Noum. OK. Grosse révélation. Salut, salut. Je vous montre après mes bottes. Mes bottes de Spice Girls. Aussi, je les ai pris au Torrid. Si vous avez des terribles. Torrid, terrible. Et je me trouvais drôle. OK. J'espère que vous avez ri un petit peu, là. Terrible. De gros jambes. Mais comme... Genre, moi, j'ai des gros mollets. J'ai pas peur de le dire. J'ai des gros mollets. J'ai des bonnes cuisses. Hein. Tu sais, on aime ça. On aime ça, des belles poignes. Ben, moi, j'en ai. Donc, mes mollets, tu sais, comment t'appelles ça? Ouais, un mollet, c'est-tu une calve en anglais? Je sais pas trop, là. Ben, tu sais, ah oui, cheville, mollet. OK, on est bon. Mais comme en haut du mollet, là, tu sais, il y a comme une plus grosse partie... Moi, je suis jamais capable de me chausser. Je suis jamais capable d'acheter justement des plus comme bottes spéciales. Là, j'ai vu ça. Il y avait des spéciaux pour Torrid sur le... Comme genre avant Noël, là. Et là, je me suis dit, regarde, j'essaie. Je me suis acheté une paire de souliers, genre des pumps. Comme des gros pumps roses pour New Year. Puis des bottes de Spice Girl. Et là, je me suis dit, regarde, j'essaie. Puis, vous savez, là, la saga du mariage, j'ai au moins essayé 15 paires de souliers avant qu'il y en ait une qui me fait. Mais Torrid, c'est un magasin pour genre plus size. Et je sais pas s'il y a d'autres sizes, là. Small, medium, large. Je sais pas, mais je pense pas. Je sais pas, en tout cas. C'est tout le temps plus size qui sort, genre, quand je cherche ça. Puis là, il y a un magasin comme ça à Moncton aussi. C'est comme le fun. Je suis jamais allée encore. Mais bon, je m'éloigne. Juste pour dire, j'ai pris une chance. Je me suis commandé des souliers et ils me font comme des gants. Et les gens, les bottes me font genre un beau mollet comme d'une star. OK. Je vous laisse et je vous montre des petites parcelles de notre soirée. Bon, direction la cave. Peux-tu nous faire une cave tour? Je vois que j'y s'en vient. Tu veux faire la bonne. Moi, j'ai moli des chiens. Hein? Tu veux-tu montrer tes endroits? Tu veux-tu faire toi-même? Ben, ça, non, tu peux filmer, là. Ah. Regardez mon bébé dans son best, dans sa main. Et sa tête de burger, je l'avais déjà avant. Et regardez ça, comment ça fait beau. Et il a tout lavé ça, pichi. Il a tout lavé ça. Ça, là, je vais le laisser là. Et là. Ça, c'était sans salsa parce que c'était comme dans une attique, je crois. Ouais, ça, c'est vieux. Ouais. Mais là, il a tout lavé. La tête de burger, on l'avait fait longtemps. C'est rien qu'on l'avait ramassé parce que ça prenait trop de temps. Ça, on vendait ça au pétro avant, mais là, il n'y en a plus. Ben, il m'en reste en gros. C'est rien que je l'ai. Wow, vraiment beau. Je capote comment ça fait beau, chat. Avec tes belles lumières. Trop mignon. T'es trop cute, t'as un petit petit verre. Ben non, c'est Jason. Ah. C'est de la dernière fois. Ah, oh, ok, moi. Ça, c'est la lumière qu'on a changée. Vu que yeah, il a mis ça. On hair. Moi, j'avais. Qu'est-ce que c'était écrit? Frank. Quelque chose. Ah, que tu t'assieds assiette automne. J'ai placé le jukebox là. Oui, le beau jukebox. Puis là, il a mis des chips. Moi, je les ai fait des bons dips. Ah, puis t'as aussi mis un. Oh, puis tu. Quoi? Le Mickey Mouse. Hey, Molly, toi, tu vas être gentille avec les amis à papa? On a mis ta plus belle robe.
Oh! Elle est trop belle! Oh, elle est contente de voir la Eh oui, t'as-tu un de voir mignon qui est? Oui, tu l'aimes, toi. Après, il a décoré ça. Il a mis une nouvelle télé comme dans les ailes au bout. La télé, si on n'a pas le choix, là. Je vais pas raconter la péripétie. Eh, on a une petite Molly là, qui a détruit la télé. Oh wow, t'as mis plein de glace avec des liqueurs et tout. Oui, j'ai même mis des morceaux, des Red Bull, j'ai tout mis. Oh mon dieu, t'es prêt mon homme? Oh, c'est bon. J'ai mis des Monsters. Ouais, la crack est bonne, mais... Mm-hmm. La crack can, alors. J'ai d'autres glaces de haut, j'ai mis de haut. T'es trop mignon. J'espère que tu vas avoir une belle soirée, mon chou. Oh, je vais pour eux. Hey, gars, Molly, t'es tellement belle. J'achète d'autres fours. Oui. Avec la belle table de poule, puis notre sapin. Très festif, tout ça. Et mon amour? Oui, puis maman va pas arriver tard, tu pourrais niaver maman. Oh, tu vas être gentil, gentil, hein? Oui. Ça va rester avec GSM, là. Ben oui, ben oui. Là, donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Comme vu dans le miroir, là. Donc, ma petite robe ressemble à ça, je l'adore. Elle est tellement, genre, comme légère, là. Je la sens presque pas, on dirait que c'est comme confortable. Je vais probablement la porter en voyage. Ma petite Madison et mes bottes de Spice Girl. Genre, ils ont de la haute, mais ils ont une plateforme. Ça, c'est, ça file pas haut, genre. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire par plateforme, là. Le dessous est presque, c'est comme dans le fond, c'est comme si mon talon est juste comme sodo à cause de la plateforme. Mais pour vrai, ils sont vraiment confortables. Tu sais, ils sont hautes, là, ils vont presque jusqu'aux genoux. C'est la première fois que je me pogne des belles bottes de même genre qui me fait. Donc, c'est ça. J'adore. Les petits diamants, ici, là. Et Pandora, puis mon petit collier de Manifest. Donc c'est ça, mon petit look de Christmas with my girls. Hello la gang, je voulais juste vous dire un petit coucou de vive voix parce que vous allez voir des petits clips de ma roadie avec ma mommy à Miramichi. Roadie, mommy, Miramichi, on rime. Elle m'a texté à 9h15, à 10h30, je vais te chercher. Elle dit, on s'en va boire un Starbucks à Miramichi. J'étais excitée la gang, vous pouvez pas comprendre. Mais ouais, donc j'ai pas eu beaucoup de sommeil, mais j'étais. Elle dit, ah, c'est quoi tes plans? Elle dit, t'es-tu correct? Belle soirée entre amis. C'était trop, trop plaisant. C'est pas ça qui m'a gagné, c'est juste que j'ai pas dormi beaucoup. Francis et ses boys, je pense que Francis a venu se coucher vers comme 2h30. Mais on a jasé, on s'est couché à comme 3h30, puis là, Molly. Elle entendait du bruit encore, soit elle était un petit peu frivole, elle était un petit peu énervée. Puis là, on jasait, là, je sais comme penser, mais ça, c'est le temps qu'on se couche. Mais là,
je me suis levée du lit à 9h15. Poup! Comme ça, je suis allée me laver, me suis maquillée un petit peu, me suis fait les cheveux. Là, ma mère arrive d'environ une quinzaine de minutes. Je me suis fait un bagel avec everything but the bagel. Non, everything but the pizza de Pimpy Chef. Je l'aime tellement. Puis, je vais apporter une petite clémentine dans la drive. Bouteille d'eau. Ouais. Si vous écoutez ça et que vous êtes comme mon dos et donc excité à boire un Starbucks, la gang. Si vous êtes ici, ça fait longtemps, vous savez que j'ai pas de Starbucks dans ma région. Bon, du café, c'est le fun, c'est plaisant. Mais c'est pas la même chose qu'un Starbucks, tu sais. Et là, le seul Starbucks le plus comme près de chez nous, il est à 2h30, donc à Moncton. Puis là, il y en a un qui vient d'ouvrir à 45 minutes de chez nous. T'sais, c'est pas la porte, mais juste comme le fun. Puis en plus, Miramichi, on aime ça aller prendre une drive là. Donc, ouais. C'est aujourd'hui que ça se passe. Ça a ouvert mardi, je crois. Le 27, ouais. Et ça va être mon premier Starbucks de Noël. Je prends un sugar cookie, c'est sûr. Imagine, elle me dit qu'il n'y a plus de choses de Noël. Non, je penserais pas. Je pense pas qu'elle va me dire ça. On va être gentil. It's still Christmas in my soul. Ok, donc je vous laisse, je vous montre des petites images probablement de ma journée avec ma mamie, mais je voulais juste vous dire qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qui allait se passer. Mais ouais, en gros, là, hier, c'était tellement le fun, j'ai eu des beaux cadeaux de mes girls, je me suis fait gâter, ils ont été contents de leurs cadeaux aussi. On a eu des Crocs, comme Anna. Je pense que vous avez vu, là, c'est qu'on rit tellement. Ben, on rit pas d'elle, mais c'est qu'elle allait masser ses Crocs, comme ça fait des années qu'elle nous parle de ses Crocs. Puis, à sa fête, j'en avais acheté, juste pour faire comme un petit clin d'œil, là, tellement elle aime ça. Mais là, Anna en a acheté. Puis, ce qui est l'affaire la plus drôle, c'est que moi, je portais une robe rose, puis Garrett portait un blazer beige, comme ça pouvait pas plus être, comme genre, avec notre personnalité que ça. C'était merveilleux. Ouais, donc bien contente. Mais oh, puis j'ai tellement eu un beau cahier genre de guérette, c'est comme un défi, comme bien-être. Puis après, quand tu fais ton défi, genre t'écris comme comment tu t'es senti. Oh, j'ai hâte de vous montrer. Puis, désolé les gens qui aiment pas le masticage. Faut que j'ai multitask. Mais, notre souper, c'était tellement bon. Ça fait du bien de voir notre ami Sébastien. C'est le fun. Alors, vraiment plaisant. Puis, il y avait aussi le tartare de thon. Genre, je sais pas si vous avez déjà goûté le tartare de thon au fresco, mais c'est, je pense que c'est le meilleur tartare du monde. Il est tellement bon, mais il est pas là tout le temps. Et là, il était là, donc c'était comme la crème de la crème. Mais, c'est ça. Puis, en parlant de mes... trois amis d'ailleurs, donc Guérin, Anna et Sébastien. On a mis des petites stories comme excitantes. On est des dancing queens. Des cousines, la gang. Je vous ai comme pas parlé de ça. Mais vous avez vu là, dans la dernière année que j'ai collaboré avec Amélie, des cousines. Mais là, ça va se continuer en 2023. Puis Guérin aussi. Puis Anna aussi. Puis Sébastien aussi. Genre, c'est trop beau pour être vrai. Mais ouais, donc hier, on a fait des petites stories de nous qui dansaient. On célébrait la nouvelle. Mais je vous en parlerai plus en temps et lieu. Mais je voulais juste faire un petit clin d'œil à ça aujourd'hui. On avait bien ri hier. Mais ouais, donc c'est ça. Je vous en parle dans ma petite journée avec ma mamie. Je vous montrais juste des petits clips, là, parce que je pense que le vlog est déjà assez long comme ça. Mais regarde, vous, c'est pas en cause de la nouvelle année approche que je vais changer. OK? C'est mine avec Guylain Vlog ou c'est mine pas de vlog en tout. Ok? Donc, à plus tard! Hallelujah.
Oui, ça goûte les biscuits d'Oreo. Mais oui, oui, hein. Tu as goûté? J'ai pris le high sugar cookie avec du. Avec la sweet cold foam dessus. Trop content, ça goûte d'Oreo. Dum dum. Hello la gang! Je viens d'arriver de Miramichi avec ma mamie. J'ai bu 2 Starbucks. Je suis une femme comblée. Si jamais vous voulez savoir, mon premier, je pense, c'est clair. Là. J'ai pris un sugar, ice sugar cookie avec du sweet cream cold foam. Ça goûte comme je me l'imaginais. C'était tellement bon. Puis après, pour la route, ça, c'était plus difficile. Pitié, tu sais, ils sont en training, ça vient d'ouvrir, tu sais, le Starbucks, c'est des grosses commandes, c'est plein de mélanges. So là, j'avais pris un matcha latte avec des pommes, 2 pommes de chai, puis la sweet cream cold foam. Mais là, c'était difficile, difficile, là. Puis je pense que c'est la première fois qu'elle faisait un matcha. Donc, c'est ça, c'était difficile. Puis il n'y avait pas de. Il n'y avait plus de foam, en tout cas. Puis là, ça prenait du temps. Ça faisait comme un heure presque. Mais tu sais, il faut leur donner la chance, justement. Puis il y avait tellement de monde. Puis le monde était fin, au moins, là. Oh, vous savez comment j'ai de la misère avec les gens, genre, qui sont comme pressés, puis comme arrogants, là, quand ça va mal. Comme quand ça prend du temps, tu sais. Si vous avez été me chercher un café, ça vient d'ouvrir, il faut qu'on réalise et qu'on prenne en considération que ces gens-là, ils apprennent. T'sais. Mais à la fin, j'étais juste comme, non, c'est correct. Mais pas de fond, mais juste la petite whip, là. Ça va être bon pareil. Mais ouais, moi, un gros coup de cœur, j'aime beaucoup ça, le matcha avec du chai, là. Vraiment bon. Mais c'est pas mal ça, j'ai eu une belle journée avec ma maman. Starbucks, Winners, et on est allé au Marks, on est allé au Raymond's, là c'est ça qu'on se disait. Même si on avait eu genre comme 1 million, exemple, je parle pour parler là, à dépenser, on n'aurait même pas dépensé 100$, comme il n'y avait rien comme qui nous a comme tapé à l'œil ou comme tous les beaux morceaux, mais il n'y avait pas grand size, en tout cas, c'était un petit peu malaisant. So là, quand on est arrivé, on a arrêté vite fait au Rimmel par ici. Maman a cherché des jeans. Puis moi, j'ai trouvé cette belle jupe-là. Je capote. Elle est tellement belle, là, des belles petites fleurs comme ça. Puis j'ai reçu des beaux chandails, des beaux sweaters de Mickey pour notre voyage. Donc ça va être vraiment beau là, avec le rose. Il annonce quand même assez frisquet quand on va être là. Donc un beau sweater, une robe, sweater, jupe, ça va vraiment être mon petit style pour le voyage. Mais je l'adore, un beau rose, fuchsia, orange. Là, on se retrouve, ça a comme coupé, j'ai manqué de batterie. Puis c'est ça, j'étais en train de vous montrer ma belle jupe. Mais dans le fond, c'est ça, pour Noël, j'ai eu, ben ça c'est pas lui, là, mais j'ai eu comme 3 sweaters. Pas de capuche, là. Genre juste comme des beaux chandails. Comment. Pas trop épais, là. Juste comme la parfaite comme épaisseur pour aller en voyage, là. Parce qu'il va faire comme quand même assez frisquet, là, en janvier. Puis c'est comme genre la même couleur que ça. C'est comme ça, va être trop cute. Je capote. Puis elle était en rabais au Rimmel. Elle était 15$. J'ai coupé sec. Molly avait jappé, je pensais que la mienne à Francis montait. J'aurais arrêté de vlogger. Tu vois juste la mienne à Francis qui arrive, ça. Toi. Mais moi, ouais, c'est ça, il y a un ami ici. Et vu qu'il reste pas comme par ici, il en a profité. Là, il va venir. Ils sont juste les deux. Là, ils seront pas trop tard comme hier. Mais ouais, donc ils vont en profiter tandis qu'il est si cute. Mais ouais, c'est ça. Donc c'est. Ma seule trouvaille de la journée. J'étais bien contente, par exemple, mais on l'a trouvée par ici. Puis, c'est ça. Donc là, il arrive 7h. J'ai comme pas soupé encore. On dirait que je vais peut-être aller me faire comme des petits fromages, puis des craquelins, puis tout ça, bientôt. Mais j'ai comme pas vraiment faim. Mais c'est ça. Donc, je voulais conclure le vlog là-dessus. Et la gang, avant de conclure le vlog, j'avais la lampe ici tantôt.
Je sais pas si vous suivez les filles de Deux Filles Ordinaires, là. Christine et Vanessa, là. Ils viennent de faire une vidéo, puis ils m'ont mentionné dedans, mais comme ça m'a tellement touchée. Comme c'est vraiment beau, comme qu'est-ce qu'ils ont dit. Puis ils répondaient genre à des questions, c'était comme un Q&A. C'était genre comme une découverte de 2022 ou comme quelqu'un qui vous a comme réconcilié genre avec les médias ou genre comme une redécouverte ou comme quelque chose comme ça. Puis ils disent vraiment des beaux mots par rapport à moi, puis ça m'a vraiment comme, on dirait, rentré dans le cœur. Genre on dirait c'était vraiment comme, je réalisais pas comme qu'ils étaient en train de dire ça de moi là. On dirait que comme, c'est comme si Justin Bieber m'aurait écrit une chanson, hein. C'était comme vraiment spécial. Puis je les admire tellement, je les aime tellement, comme j'adore leur contenu, ça fait tellement longtemps. C'est comme juste de savoir que comme eux, comme savent c'est qui la petite mine de mon petit village, chez ONB, c'est comme comique pareil quand on y pense. Mais c'est ça. Donc un gros coco merci à vous aussi de m'écouter, puis et je capote là, tu sais, c'est fou. Mais c'est ça, je pensais que j'allais faire je pensais que ça allait être le gros speech de fin d'année, de reconnaissance, mais je pense qu'on va faire un autre vlog avant la fin de l'année. Mais ça va être mon vlog de nouvel an dans le fond, donc j'osera ce temps-là. Mais c'est ça, je vous invite à aller voir la vidéo, c'est vraiment cute, c'est vraiment touchant, je trouve. Puis c'est justement là que je m'enligne, là. J'allais pas commencer le montage, mais je pense pas. Je vais juste m'asseoir avec une bonne bouteille d'eau. Ou une petite drink, un petit breuvage. Peut-être genre comme un 7-Eleven, pas d'alcool. On dirait que ça me tente pas. Ça me tente juste de boire quelque chose de bubbly. Puis, ouais, je vais peut-être écouter ça. Puis relaxer. Je vais aller écouter leur vidéo. J'ai juste écouté comme le bout, j'étais dedans. Là. Donc, je vais aller écouter ça. Je pense qu'il y a comme 2-3 autres vidéos aujourd'hui qui sont sorties. Mais c'est pas mal ça. Donc, un gros merci d'avoir été ici avec moi. Puis j'espère que vous avez aimé ce petit vlog festif, on pourrait dire, c'était dans les festivités. Mais c'est ça, donc je vous souhaite une belle fin, et ben la semaine, une belle fin de semaine, c'est la semaine à la chèvre. Je veux pas parce que vous allez voir ça probablement vendredi, donc ouais, on est bien, je vous souhaite une bonne fin de semaine dans le fond. Puis si jamais on se reparle pas avant les festivités du 31, je sais pas si vous fêtez ça dans votre coin, mais si oui, je vous souhaite du bon temps en famille ou entre amis ou en amoureux ou entre amoureuses. Pour ma part, je vais aller chez nos amis Anna et Julien. Donc, vous pourrez peut-être voir des petites parcelles de ça dans mon prochain vlog. Donc, je vous aime bien gros la gang. Merci pour tout. Puis, on se voit très bientôt. Bye!